Et bonjour, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous fais des petites brioches en forme de fleurs. Dans la cuve de mon robot, je réunis les ingrédients suivants: la farine, le sucre, le lait, l'œuf, le sel, le sucre vanillé et la levure. Je pétris jusqu'à ce que le tout soit amalgamé. Puis, j'ajoute le beurre et je pétris pendant 10 minutes. Ma pâte est terminée, elle ne colle pas aux doigts. Je la recouvre d'un torchon et je laisse pousser pendant 1 heure et demie dans une partie de la pièce tempérée à tiède, près d'une source de chaleur par exemple. Je récupère mon pâton que je dégaze. Et sur un plan de travail fariné, je vais étaler cette pâte. À l'aide d'un cercle de 7 cm de diamètre, je détaille 5 disques. Je plie en deux et les deux pointes, je les réunis. Je réalise une petite boule que je viens placer au centre et ma première fleur est réalisée. Je recouvre de nouveau avec mon torchon et je laisse pousser 1 heure. Je passe maintenant toutes mes fleurs au jaune d'œuf. Je dépose ensuite du sucre perlé sur le centre de chaque fleur et je n'ai plus qu'à enfourner le tout pour 20 minutes à 180 degrés. Le plus dur, c'est d'attendre qu'elles refroidissent pour les manger parce que je peux vous garantir que l'odeur dans la cuisine, elle est à tomber. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs et surtout, bon appétit !